De retour dans WWE 2K18 et son mode univers, suite des aventures de Batista, et on va commencer la première semaine du mois à Raw avec un match très intéressant contre Goldust. Ça va se passer à l'extérieur du ring. Thanks for joining us, everyone. As usual, we're coming to you live alongside the best fans in sports entertainment. We've got one of the best lineups in WWE history, so stay tuned. Looking at this card, I just got to rub my hands together and smile. Expect the unexpected. Backstage Brawl is next. I can't believe what we have coming up in just a few moments. We have one of the best talents on the roster to date versus Goldust. In the ring, on the streets, backstage, wherever these superstars get after it is fine with me. Yeah. We have a developing situation backstage, and it looks like bon, ça commence c'est le chapeau de roue. Hein. Bon, ça va, ça. Même s'il m'a attaqué dans le dos, on n'a pas fait de dégâts particuliers. Par contre, là, c'est marrant. Ouais. On va revenir là-haut qui est en train d'interroger. Quelqu'un, on dirait le Miz. C'est contré. The offense of Batista is working well right now. Une petite chaise. Hein. Oh, shows yes. No mercy. And that poor chair. It looks like a twisted heap. Whack. Michael, that gives new meaning to have a seat. Oh, he's really taking it to him. Man, this is not good at all. On va continuer leur interview hein, de l'autre côté. Gosh. Pas de soucis. Whoa. Goldust beginning to breathe a little heavy now. Guys, he's gonna have to turn things around quickly if he wants to win this thing. This match certainly isn't trending in the right direction for him. He's gonna need a change in momentum and fast. Oof! He may be in the best physical condition I've ever seen him in. Comment il fuit, j'adore. He's not getting up. You can't like his chances right now. Allez, prends là, putain, cette chaise. Cette chaise. Cette chaise. Non, je peux pas la prendre. Je suis là. Pouvoir. Je peux pas tenir à distance. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc sympa sur moi? Oh my god! Ah ça y est, ils sont barrés. Peut-être qu'il est où le chef. Bridge. Watch out. Things just ah, got c'est Stéphanie. More interesting. Ah, j'aime bien. Ah, s'il vous plaît, sortez. And the animal is all fired up. Sinon, elle n'est pas habillée en costume, elle est plus en catcheuse. Comme quand elle avait accompagné Triple H sa moto. Allez, on va faire un petit tour par là. Vous avez mal. Ah oh, putain, c'est contré l'enfoiré. Coup de mallette. He's doing it for all those Goldust fans around the globe. Quoi? Just making his presence felt there. He misses on ils that one. Chaise. His eyes even open. He is a one-man gang in there. Yes. Oh. Here it is. Batista showing the WWE universe his rage and emotion.
Alors cette mallette, qu'est-ce qu'elle contient? Faut me le dire. Hein. Oh là là. Ah, victoire avec coup de mallette. Putain, il a pas tenu le rythme, le pauvre. Seconde semaine, on va prendre le micro. Troisième semaine, alors on va retrouver Marc-Henri avec qui on commence à avoir les prémices d'une rivalité qui finalement je pense n'aura pas lieu. Par contre avec Bray Wyatt, ça va chauffer. Up next we're going to see someone defy the odds, it's triple threat action. The action comes at you in a hurry in a triple threat match and this one should not be any different. Attention à trois adversaires. I would be remiss if I didn't mention que... Marc-Henri et Bray Wyatt se prennent l'un à l'autre et me foutent la paix. Visiblement, Marc-Henri en a décidé autrement. Well said, Byron. Now let's see how Cincinnati reacts to what promises to be a great match. C'est bon, on est sur nos pieds. Attends un peu qu'il se tape dessus. Ah! Regarde l'attaquer. Tout de suite il sort du ring. In a triple threat match, interesting alliances are often formed. Pas prendre de risque. Let's see who sides with who in this one. Yeah, and I circled this triple threat the second I saw it on the schedule. Great storylines here. Terre à méfier à pas trop. C'est une bonne endurance. Some of the most impressive powerlifting records have Mark Henry's name next to them. And for more than 20 years, Mark Henry has been an unstoppable force in sports entertainment. Merde, oh putain. Profitez qu'il termine. Souplesse. Ah ouais. Non, mais c'est version un peu comme le Jackhammer, le finish, le Goldberg, c'est Marc-Henri qui sort extérieur. Marc-Henri est en train de récupérer. Démonstration de notre puissance. Oh là là, Marc-Henri, terre à sortir de là parce que c'est en train de se mettre à deux contre moi. Mark Henry's entrance theme is not just a powerful beat with some catchy lyrics available on iTunes, but it is. When that music hits and you see the world's strongest man on his way to the ring, someone's getting hurt. Je sais plus hein, si les armes sont autorisées dans le triple threat match. Oups, putain. Je pense pas l'avoir touché hein, parce que. Parce que je voulais faire. Taking off his feet here, and it's moves like that that make him so dangerous. Now it's Mark Henry in a little bit of trouble here. This is a dangerous spot for him to be. Allez, monte sur les corps. Ah putain, il veut pas. Sérieux. C'est bizarre. Ça. Je comprends pas pourquoi il veut pas monter. Sur la troisième corde. And it's Batista with a reversal. A nice shot by Batista. He is a one-man gang in there. Mal. He's starting to feel it here. Spécial, Marc-Henri aussi. In a triple threat match. I know it's early, but he has to do everything in his power not to let this get out of hand. Puissance de Bray Wyatt. Yes. Buster. His shoulders are down. Trop tôt, juste pour le plaisir. Just needs to do more damage. He's taking a long time to get up, guys. C'est pas sa spécialité, on le sent. Très lent par contre, si ça touche, ça fait très mal. Ouais. Ouais, t'as son petit spécial aussi. Ouh, un espèce de rock bottom là. C'est impressionnant hein, quand il le fait en vrai cette prise. Ouais, ouais, il doit faire son finish. Sister Abigail, un petit bisou, pof. Tout de suite, allez. Tout un point. Oh là là. Ah, bien contré.
Oh là là, comment il va balancer par-dessus la troisième corde. Désolé, c'est pas le Royal Rumble. D'ailleurs, c'est très bientôt le Royal Rumble. Un des plus grands événements de l'année. Avec cette année, pour la première fois, le Royal Rumble féminin. Prochain spécial, on va le garder précieusement. Oh là, attention. Tenter un tombé. Non, mais il croit quoi, lui? On respire, ça passe. Je vais voir un petit peu les jauges de chacun. Ça pourrait être pas mal de piquer un peu Bray Wyatt. Encore. Son devant se. The offense of Batista is working well right now. Sur leurs pieds. La petite bombe sur le coin du ring. Mark Henry has never been shy about expressing himself. Mark Henry est en train de se patienter à l'extérieur. Boom. Il va être un petit ralenti. Attention, il va falloir enchaîner avec Mark Henry qui, à mon avis, on a envie d'en découdre. Bien, c'est bien, bien là mon pépère. Ah putain, c'est contré. Putain, comme on va le dinguer. Ça fait mal ça. Oh, on l'a ouvert. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not gonna win many matches. Bon, tant pis, hein. Il va tout prendre. Je pense qu'il va avoir mal au dos là. But is it enough to defeat Wyatt here? On va remonter. Marquant est sur le ring. I just can't get over the physicality of this match. This has been brutal. Oh, 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 spinebuster by the animal. Just when you remonter sur le ring, mon dieu. Il ne veut pas remonter sur le ring. J'espère que Bray Wyatt ne se relève pas. Allez, est-ce que ça va passer? Putain, il est en train de se relever l'autre. Fiche-toi l'arbitre. Fais ton compte. 1, 2 et 3. Yes, par le nice, bonne victoire. Miguel. Et Mark Henry, il a voulu faire son spécial. Je l'ai contré. Ah, c'est dommage, on n'a pas vu quand je suis passé par-dessus la troisième corde. Pour la bombe sur le coin du ring. Défoncer les barrières de sécurité. Et enfin, la victoire. Here is your winner, Batista. Big victory for him here in this one. You know, it didn't happen often, but par contre, comme j'ai deux adversaires, il ne propose pas d'intervenir. Une victoire importante. Grande chance que je re-rencontre Bray Wyatt dans les semaines à venir. Quatrième semaine à Raw et dernier show avant le grand pay-per-view de l'été, SummerSlam. Batista rencontre Bray Wyatt pour un match où le tombé va pouvoir se faire n'importe où à l'extérieur du ring. I'm getting goosebumps anticipating this one. It's a false count anywhere match and it happens here. Coming up next, we have a real fan favorite against Bray Wyatt. Yeah, and the monkeys in the truck are going to have their hands full in this false count anywhere match.
commencer à devenir chaud entre ces deux-là. Hein. Based on the electricity that traveling through this arena and decibel level of the crowd, I think it's safe to say the roof of this building just might blow off. Matches like this rarely end inside the ring, which is what makes them so unpredictable. But guys, given the animosity here, I wouldn't at all be surprised if this match spilled out into Mannheim Road at some point here tonight. Oh putain. What do you believe Batista's thinking here? What, in your opinion, can the WWE Universe expect from him here? It's falls count anywhere. The most important thing, right off the bat, is accepting your reality. Accepting the fact that this match will most likely, hell, it will be fought all over the place. And it can be won or lost anywhere. Okay. Hey, Michael, all I know is that they're paying me to watch matches as good as this one. I can't complain about that. Ah, carrément, il va chercher une arme. And now he goes for it a second time. On l'a volé la batte. Ah, c'était une bonne idée ça. Tiens, non, c'est ce qu'il est. Il l'a bouffé, hein. That connected. I think that was harder than the first time, Cole. Whoa. Yeah, he sure seems to like that, Michael. Maybe a little too much. Peut-être aller chercher une autre arme. They get dangerous out here, especially when there are no countouts. Oh, and he lands it. Really relying on that tonight. Whack! Michael, that gives new meaning to have a seat. Oh, shows no mercy. On le détruit. That chair. It looks like a twisted heap. And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big time damage, Michael. Attention, ça va faire mal à la tête. Ouf, c'est vicieux. Ouh, c'est vicieux. Là, je crois qu'on a pris un certain avantage. He's making a statement here with this On va voir arrêter de nous avoir cherché des coups. Pierre, ça passe et il n'arrive pas. Le contrer. Il se fait aller un petit peu à l'extérieur. Alors après un début de match compliqué, on a clairement pris l'avantage là. Ah putain, je pensais qu'on pouvait aller... voir les commentateurs et leur table. C'est un peu dommage, je trouve, dans l'arène d'Euro. Je suis un peu frustré, moi qui adore exploser les tables. Et viens là, mon canard. Oh putain. That connected. I think that was harder than the first time, Cole. Ah, il a carrément balancé. Il ne peut pas aller se balader par là. Je puisse me relever. On a par ici. Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this one's over. C'est un peu vite, ils auraient pu nous mettre des caisses, des voitures. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. On aime ça. I've heard it from countless superstars over the years. Oh, répétitif, tu m'étonnes. Steve Austin, that this arena in Rosemont is their favorite arena to compete in. Non, je crois qu'on peut remonter que par là. Thank you for choosing to watch WWE on this Monday night. We promise to bring you a great night of action. Hey, il suit, hein. L'arbitre va suivre le rythme. Attention, il a l'air vénère. Batista got him there. Ça va aller. Who knows what's gonna happen? This match could go anywhere. Can't stay up.
Too much power on that shove. You gotta wear your opponent down. Find that little weakness that can help you end up with a victory. C'est vestiaire classique. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Quelques objets qui peuvent servir. Est-ce qu'il va me retrouver? Yes. Il m'a retrouvé. Since January of 1993, Raw has been providing viewers with the absolute best sports entertainment. Aïe aïe aïe, c'est moi qui finalement prend la télé. Oh là là, ce qu'il fait, il croit faire jouer. Oh, l'arbitre. Pas compris pourquoi j'ai pas pu me relever au premier compte, là c'était grisé. Car à me méfier quand même, il a une chaise. Merde, trop tôt. C'est mal. Another amazing singles contest. These two never cease to entertain. Prends pour DiCaprio dans le Titanic. Joli. Not the first time we've seen this move tonight. Oh là 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 là, attention. Plus de télé. On a cassé la télé. C'est bon ça. And the animal is all fired up. Lève-toi mon canard. On n'a pas fini. Oh, spine buster. That's how you put an exclamation. On est dans le bureau du match, guys. Du patron ou de la patronne. Normalement c'est la patronne. On est là. Putain, c'est pas vrai le Miz, il est encore interviewé par René Young, ça commence à devenir suspect à leur histoire. Tac tac. C'est moi. Ah, c'est Triple H. Ils alternent en fait. Garde alternée. Ah, il fait moins le malin. Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this one's over. The shove is enough. Down they go. On est plutôt par là. Tac. We may have discovered his favorite move. Attention, il commence à avoir un fort pourcentage de... C'est bon. Avoir un bureau tout neuf. Je pense que là, il va avoir sa dose. Arbitre, on a besoin de toi. Putain, mais Magneto, il est où, ce con? Non, j'hallucine. Allez, 1, 2... Et 3, yes. Ça y est, on y est, les SummerSlam. Ladies and gentlemen, after all the build-up and predictions, we finally made it. This is SummerSlam. Coming to you live from the nation's capital, Washington, D.C. Don't you dare go anywhere, because we've got a legendary lineup ahead. And now it's time for the SummerSlam match. Talk about starting the night off with a bang. Sit tight for singles action coming up next. Alors, on va avoir droit à une belle série de matchs. Roman Reigns conserve... Ah non, conserve son titre ici contre le Miz. Je pensais que c'était le Miz qui était le champion, mais il avait perdu son titre. Kane contre Kurt Hawkins. Victoire de Kurt Hawkins. On a un petit peu de mal à le croire, mais visiblement, c'est lui qui a gagné. Ensuite, match par équipe. Jason Jordan, Shad Gable contre les Usos. Il garde la ceinture par équipe de SmackDown. Brock Lesnar... Akira Tozawa, intéressant comme confrontation.
Sans grande surprise, Brock Lesnar gagne. Ah, il est bien positionné hein, pour le titre de champion du monde. Ensuite, AJ Styles contre Big E. Ah, victoire de mon petit chouchou, AJ Styles. Ah, le match qui nous intéresse, Batista réaffronte Bray Wyatt. Et cette fois-ci, c'est pour un last man standing. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir rester debout 10 secondes pendant que notre adversaire sera au sol. C'est parti. In just a few short moments, we'll witness a matchup that intimidates participants at the mere mention of its name. We have one of the best talents on the roster to date against Bray Wyatt. Saxton's already terrified. C'est Batista qui rentre le premier. Ah, des tables. On va leur faire honneur, en tout cas on va essayer. Alors j'ai modifié un petit peu l'entrée de Batista, je lui ai remis... j'ai recréé son entrée à ses débuts. Je préfère un petit peu la dernière. Beaucoup plus de feu d'artifice. Plus sympa. Guys, there's so much on the line here in this last man standing match. You're right, Michael. This one goes beyond wins and losses. These superstars are risking long-term damage to their bodies by participating in a match like this. And guys, I'd say he's easily one of the elite superstars in all of WWE right now. As evidenced by him being the current number one contender. And if you ask me, it's only a matter of time before we call him champion. Ça va être au tour de Bray Wyatt de faire son entrée sur le ring. Where's this go? Oh man, there it is. On va être un enfoiré. Ah là là, il rentre tout de suite sur le ring. Il est mignon avec sa petite capuche. Peut-être pas apprécié hein, que je l'attaque tout de suite. Pas terminé. Son entrée. Allez, à moi maintenant. Non, mais... Yes! Chacun son tour. Non, mais... When you're the number one contender, you can almost taste that title, but you never know when you're actually gonna have it. Entrez. Mon tour de maltraiter les trapèzes. He's unleashing a vicious assault on that shoulder. Ah, je pense qu'il va changer cette nuit. Là. Il y a un petit temps mort, voilà. Regarde le public, et ça y est. And the strike lands. Mal au genou, ça. Hein. Coup de maillet.
Merde. Got it. Michael, that sledgehammer can cause some serious damage. Il est mort le Triple H. Le public va être content, il est aux premières loges. Looks like Batista is on the move, guys. You have to possess a different type of focus to punish an opponent like this. He's in trouble. Batista showing the WWE Universe his rage and emotion. On passe carrément par-dessus. Il y a des trucs sympas de ce côté-ci. On peut y aller. On peut faire le tour par là. Même pas sûr que je l'avais déjà fait en plus. Là, il y a des trucs cool ici. Hein. Putain. Deux tables. Des chaises. Une poubelle. He's on the defensive here. Number one contender or not, you'd hope he brought his A game here tonight. Well, if this is what keeps him down for the 10 count, he's nowhere near the man we all thought he was. Oh boy, he is rolling. Est-ce qu'on peut prendre ça? Yes, c'est l'heure de sortir les poubelles. Oh, and he let look out. Ah, j'adore, et puis avec la poubelle qui se déforme. C'est le pied. Again. Hey, it seems to be working. Péter les jambes un peu là. Ah, je prends des pénalités de variété de mouvement, mais quand on aime, on compte plus. Ah, je me posais la question pourquoi il comptait. Je me dis, mais ça. Enfin, en fait, c'est parce qu'il est au. Il est au sol et l'arbitre. L'arbitre le compte. Non, il n'y a pas encore eu sa dose. C'est moi qui me prends la table. Tiens, fait pas prendre la table quand même. Ah putain, il faut que je me méfie quand même. Hein. Comment on se foutre avec la poubelle? Not where he wants to be right now. Yeah, you're not gonna win many matches when you're down. Putain. Pur prendre la poubelle. C'est comme les barrières hein, sur les côtés du ring. Well right now. He is a one-man gang in there. Oh my, with the chair. I think that one finally broke the chair, Michael. Je crois qu'il va avoir mal à la tête au demain matin. Là. Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a beating, Michael. This is some great offense by Bray Wyatt. Batista turns it around. Tenter quand même de prendre la poubelle, non. Ah, il veut plus, hein. Je sais qu'elle est dans un trop mauvais état ou elle est dans un coin là-haut. Non mais t'en vas pas. Je comprends qu'il a peut-être un peu marre de quelque chose dans la tête. Batista got him there. And the animal is all fired up. Still trying to get back to his feet here. Il a travaillé sa tête. Showing very few signs of life here. Attention, yeah, there's no way he comes back from this. Might as well ring the bell now. Ain't no stopping him now. Oh, and it's a reversal. Yes. Yes. C'est la petite, petit rapprochement de la vidéo. Batista showing the WWE Universe his rage and emotion. Il a l'air dormi quand même un peu. Pas persuadé qu'il va compliquer tout de suite. Allez, viens, on va revenir près du ring. Oh,
Edge elbow. A nice shot by Batista. And that chop finds its target. Un angle de vue est sympa. Hein. Pousse-toi à l'arbitre. Tape-le. Ah, oh, il hésite. Moi, je n'hésiterai pas. Hein. Il faut nous emmerder. Il n'y a pas qu'à faire. Je vais porter à l'européenne. The overhand punch connects. His head is taking an unbelievable amount of punishment here. Look at this. He's going back to an old friend with that one. Très. And there he goes, back to the headbutt. Voilà, voilà. On va tenter de revenir un peu dans la... Putain. Ah, ça marche pas, putain, on est coincé. Batista with the reversal. Allez. Batista going voilà, to work. Tenter de. Ah là là, mais c'est pas possible. Mais c'est un truc de fou, hein. Voilà. Ça va être bon. Allez, la table des commentateurs. D'ailleurs, ils sont même pas là. Ils sont peut-être encore sur une table comme Aro. Allez, viens, fais pas ton timide. Allez, ça passe. Ah, j'avais pas assez d'endurance. Hein. Faut pas le déclencher tout de suite. Et c'est bien, c'est pas contré. Et Batista, mon gars. Explosé. Je pense que ça commence à être pas mal notre affaire. Un buster pour reprendre un finish. Mais est-ce enough to defeat Wyatt here? Jeez, I felt that one over here. Comme que je me méfie un nouveau jauge. Il reste plus qu'une barre. Batista makes him pay for all that. Let's see that again. Man, he is simply a walking highlight reel. Comment c'est mal en point quand même. Il n'y a pas trop le point du ring. Hein. Je sais plus si Batista est là. Il est dans le coin du ring. Hein. Non, 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 non. It's all said and done. This match might just go down as the match of the pay-per-view. Ça a mal à la tête, hein. Même pas la tête. Oh putain. It's gotta be hard to rebound from that one. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little possum here, Cole. Allez, viens, fais pas ton timide. Chopping down trees right and left. What a blow. Oh là là, putain, extrêmement compliqué à contrer. Il y a tellement de temps entre le premier et le deuxième compte. Je veux lui éclater la tête contre le coin. Allez, yes. Ah, il l'a impeccable. Attention, ça fait mal. Attention pour notre élan et bam! Oh man! Ouch! But is it enough to defeat Wyatt here? Things don't look good for Wyatt. En plus, on va avoir les 5 étoiles. Là, c'est ce qu'on vise. Pour la second slam, c'est un minimum. Attention. Batista is looking personnel. Bam! Oh, comme il a volé.
Et puis avec le petit bonus de fin de match, normalement, on aura nos 5 étoiles. On salue le public, bien remercié. Oh là, qu'est-ce qu'il fait, il se relève? Non, j'hallucine, putain. Il se fout de ma gueule, hein. Ah putain, l'arbitre, il a dégagé en même temps. Trop fort. Trop fort. Non, il se relève, mais c'est un truc de fou, quoi. Ah, je vais le payer. Désolé, l'arbitre, c'était pas souhaité. C'est pas parti du game plan. Batista showing the WWE Universe his rage and emotion. No reason for that. C'est bon, donc, nos 5 étoiles, à part si on tape l'arbitre, éventuellement. C'est pour le plaisir. Ouais, spécialement vu. Un petit finish. On va faire ça dans le ring. Autrement. Et là. Allez, mettez ta bombe. Là, ça doit le faire. Boom. Got him good there. Yeah, let's take another look. On va pas lui laisser l'opportunité de porter son. Sont finis, je veux pas prendre de risque. C'est qui transpire la Batista, il est tout brillant. Non, mais c'est pas vrai. Mais se foutre de ma gueule. Mais c'est quoi ce jeu de merde? Putain. Après tout ce qu'il a pris, non mais il peut pas se relever. Attends. C'est cheaté, hein. Ils m'ont déjà fait ça une fois. J'hallucine. Ouais. C'est bon, c'est rentré. No superstar worth his salt ever does. Batista turns it around. Bon, c'est pire. Je vais aller chercher une arme parce que là, je le sens pas. Je le sens pas l'affaire. Je sais pas à quoi ils jouent les développeurs là, mais. On a vu ça, il a pris au moins 6 finish. Puis alors là, je suis prêt à le déglinguer, il va plus bouger. Ouais, c'est bon, il a sa dose. Quand même. Ouais. Non! C'est pas possible, putain, mais tu vas crever. Allez. Nom de Dieu, je suis pas comme ça habituellement, mais là, ça m'agace. Oula, attention. Il est peut-être marre. Ouais. En deux temps. Oh là 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 là. Deuxième temps, c'est compliqué. Et le coin dans l'air. Ça, ça fait mal. Attention, là, la jauge commence à être inquiétamment basse. Il s'excite sur moi. Oh là, c'est contré. C'est contré. Oh, Star Miguel, non. Il vient me faire perdre le match. Eh là, c'est dégueulasse, la chose était toute petite. C'est dégueulasse. Yes. Yes. M'enlève. Match de fou. Et il souffre. Ah, on sent que c'est compliqué de le soulever, gros Wyatt. On va se préparer à une éventuelle relevée de notre adversaire. Il a dégagé où la chaise? Où est ma chaise? Je veux ma chaise. On va se relever. On va lui faire façon Sting. Et sûr que tu te relèves.
Oh, he's really taking it to him. Man, this is not good at all. This is what makes him one of the best in the business. On a gardé notre spécial s'il tient absolument à se relever. Ça s'armue, c'est pas bon signe. Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, you can bet this one's over. 7, 8, 9. Oh là 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 là. Oh là par contre là. Et là la gueule en sort là. On est passé à un autre niveau. Gets him good. I'm sensing a theme here, Cole. Oh là là, ça compte. Non, putain, il m'a compris, ma. Ça sent fini. Oh là là là, jusqu'au bout. Ah, j'ai réussi à le contrer. Je peux plus me contrer. Je vais en profiter pour lui signer quelques coups importants. L'avalanche de coups spéciaux. Non, je crois, est-ce que je le tente? Allez, un petit. Ah putain, c'est contré, mais c'est pas possible. Ah, oh, j'aurais pas dû. J'étais trop gourmand, je voulais faire un tournicotis tournicoton. C'est pas passé. Oh là 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 là. Alors, je vais à l'extérieur du ring, mais à l'extérieur, c'est la même chose. Oh là là, merde. Maintenant, c'est à mon tour de saigner. M'arracher la tête. Je pensais pas que ça serait si compliqué. La fin, ça avait l'air d'être bien manché. Et là, d'un coup, c'est parti en... parti en vrille. Non, le premier était... une belle ouverture sur le front. Non, ça va contrer. Pareil, hein, le taux de contre est pas du tout le même en début et en suite de match. Oh là 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 là. Ok. À l'avant de ma prise. C'est un Iron Man match qu'ils auraient dû nous donner à faire. Oh, beaucoup trop court là. Beaucoup trop court. This could be it for him, guys. Yeah, he's on Dream Street. Nice. Là, je peux l'utiliser. Un travail de destruction. Oh putain. Je croyais qu'il aime le piller. Vous êtes prêts, attention, il a deux fini, je peux dire qu'avec tout ce qu'il m'a contré. On va attendre un peu. Hein. Un peu là, la montre. Pas mal à la tête, tu m'étonnes. Ah, et là, si je gagne là-dessus, là, ça me foutra la rage quand même. Parce que... Given the amazing shape these competitors are in, ah, il se relève quand même. Oh là là, pourquoi il m'a pas posé mon... il m'a pas proposé mon spécial. Sûrement qu'il me... avec la gueule dans les barricades. Yes. Boom. Can he finish him off here? Jeez, how many times can one superstar go for their finisher? Ça bien sûr commence à être bien ouverte, hein.
Ouais, on est trop là pour. Ah, il y a de l'idée quand même. 9. This match ain't over yet. He's not whack. Michael, that gives new meaning to have a seat. Oh, and he lands it. Tu vas abandonner, really oui. Relying on that tonight. The wreck wasn't finished. Doing some more damage here. Michael, that is so dangerous. No reason for that. Il va exploser contre le. Well, the first thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little possible here, Cole. Il va me laisser tenter de me relever. The unfortunate reality is he might not get up. Ça suffit, tu vas me lâcher, hein. Putain. Talk about a beating he's taking here tonight. Il m'a l'air. Looks like Bray Wyatt is taking the upper hand. Attention à mon canard. Oh non, c'est encore contré. Non, ça va. Attention. Là, 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 là. Non, j'étais en train de faire mon finish et il m'a. Not over yet. An impressive strike there. The axe handle hits the mark. J'en crois pas de ce match quand même. Je suis halluciné. Twice as nice. Je comprends pas pourquoi il veut pas me laisser gagner. Allez mon dieu. Arrête. Abandonne. Boom. C'est la 12e. Ce n'est que la 12e. And the animal is all fired up. Ça va, il bouge pas trop. Hein. Comme plus vite l'arbitre. Plus vite. Il remue pas, il remue pas, c'est bien. On va gagner. Il remue pas. 9. Bouge pas, bouge pas. Oh non! Mais c'est pas possible. Il y a un bug dans le jeu. Il y a un bug. Il faudrait que j'aille voir sur les forums s'il n'y a pas un. Une ligne de code foireuse. Oh putain, quand je vois l'épaisseur des. Là, je suis. Plus que mal. Hein. Même pas la peine quand c'est bon comme ça. Oh, j'étais pas loin. Comment voulez-vous que j'y arrive? Ah, c'est chaud. Hein. Ah non. Jeu de merde. Y'a pas d'autre mot. C'est pas possible. C'est pas possible. Je méritais de gagner ce match. Tu as même pas droit à tous les bons points liés aux 5 étoiles. Comme on perd. Here is your winner, Bray. It wasn't pretty, but a win's a win. Hey, they both gave it their all, but in the end, we were left with the best man standing. No surprise there. That was exactly what we expected when the match was announced for SummerSlam. What an incredible effort all around. Il y a quand même une tête de perdant avec tout son sang. Hein. Dernier match de la soirée, Jinder Mahal contre Shizuke Nakamura pour le titre de champion du monde. J'espère que Shizuke va garder son titre. Eh ben non, c'est Jinder Mahal qui remporte la ceinture de champion du monde. Et nous, on va se quitter là-dessus.